Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est Sultan, anciennement Oasis de Citation, et je suis ravi de vous retrouver. J'annonçais en avril 2017 que j'allais consacrer une vidéo réponse à Majid Oukacha. Aujourd'hui, je vous annonce la sortie d'une série intitulée « Ce qu'Allah dévoila, ce que Majid vous cacha ». Cette série sera composée d'un nombre limité de vidéos, en format court, qui mettra en lumière l'amateurisme affligeant et la mythomanie compulsive d'Oukacha en ce qui concerne l'islam. Dans mes vidéos, pas de psychologie de supermarché. Ce que je vise, ce sont les absurdités de son torchon « Il était une fois l'islam ». Il y en aura pour tous les goûts. Erreurs factuelles déguisées en coquilles, mensonges délibérés, réécriture de l'histoire islamique, voire même un possible plagiat. En bref, ces quelques vidéos démontreront sa supercherie de manière claire, limpide et définitive. Je tiens à m'adresser aux sectateurs d'Oukacha qui seraient tentés de laisser des commentaires putassiers sous mes vidéos. Sachez que je ne cherche nullement à vous convaincre de l'imposture de votre idole. Son imposture est un fait établi. Je ne cherche pas non plus à vous guider sur le chemin de l'islam, car c'est une cause perdue. Mon seul objectif est de rétablir ce que j'estime être une vérité, parce que c'est mon devoir. Pour finir, il est possible que Majid Oukacha en vienne à se plaindre auprès de YouTube pour faire supprimer mes vidéos, en prétextant par exemple un photomontage peu reluisant de sa personne. Si c'est bien le cas, je rappellerai à son public et à lui-même que c'est lui le champion toute catégorie de la caricature insultante envers les musulmans. Par le photomontage, le dessin, par l'accoutrement. Bonjour Majid, je me présente, je suis Hakim El-Filou, le fondateur d'un organisme récent qui n'a pas particulièrement pignon sur rue. Mes chers compatriotes, ainsi que vous mesdames, je suis très honoré de m'adresser à vous tous aujourd'hui, en cette fin d'année 2047, du calendrier grégorien et 1470 du calendrier islamique. Et par les idées. Et le patron m'a chargé personnellement d'aller parler aux humains par hologramme pour leur demander de tous se suicider pour le bien des fleurs et des plantes. C'est ridicule, jamais les humains n'accepteront de faire ça. Ils sont beaucoup trop orgueilleux, égoïstes et indociles, c'est clair. Ce serait donc un comble qu'il puisse s'en plaindre, lui qui adore caricaturer les autres. Voilà. C'est tout pour cette vidéo introductive, n'hésitez surtout pas à liker et à partager si le contenu vous plaît. A très bientôt Inch'Allah, assalamu alaikum.